Attends, je vais. Ça va live là. Tenez que j'ai moi quand? C'est live. Bonsoir, bonne camarade. Bonsoir, Amougon Pastor Romain. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Qui m'en est? Bien, merci. Nous tout péloc, comme d'habitude. Ouais. Donc, bon camarade de Ténot qui peut suivre nous. Donc, Zodi, nous pour cause la constitution et l'exécutif. Qui ça veut dire exécutif déjà? Donc, nous pouvons essayer de définir tout cela. Donc, comment je te connais depuis la semaine dernière, on démarre différents lives que nous peut cause dans différentes sections de la constitution. Hein, donc, différents camarades viennent intervenir. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Amougon Pastor Romain avec nous pour ce débat super intéressant qui concerne l'exécutif. Qui ça va l'exécutif là? Qui ça va le zéro là? Donc, comment il fonctionnait? Qui est dans une constitution? Et est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est capable de faire mieux? Qui est capable de faire pour améliorer les choses? Donc, nous pouvons mettre un bon dialogue là. Rachna Sinect, qui peut donner moi un maricot de mai depuis une semaine, et même plus que ça, Rachna me connaît. Donc, pour intervenir vers la fin, donc, je tenais à n'importe qui question qu'ils ont envie de poser nous-mêmes par rapport à l'exécutif. OK, nous pouvons contenir l'eau là à ce moment-ci. Donc, Rachna pour prendre une question et vers la fin, lui pour intervenir pour poser une bonne question. Et question, je suis capable aussi de faire une remarque, constatation, commentaire. Comment zotler et allez, nous mangeons lit pendant un temps. Donc, l'émission là, les 8h et 9h, l'exécutif, Amougon Pastor Romain, qui est un panzen ministre sous Anibou Tchakna, il y a bien longtemps. Okay. Donc, ministre de l'éducation et. Après, si vous n'avez pas compris, vous avez fait un petit intro après Amougon, expliquez un petit peu. Vous connaissez aussi, vous jouez à l'UNESCO, si je ne me trompe. Donc, aussi, vous êtes à Paris. Donc, tu as visité la Tour Eiffel, la Concorde, le Trocadéro, Place Pigalle, etc. Donc, Rachna, c'est quoi tout à l'heure? Ouais, Amougon, pas sur Amen. Bonne à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Donc, et maintenant, quand on prend une retraite de la vie active, on a envie d'être encore plus actif pour aider les citoyens mauriciens qui sont autrement capables. Donc, avec Global Rainbow Foundation, qui est un mari projet qu'on peut faire. Donc, vous laissez-vous introduire un petit peu ce qu'on peut faire? Merci déjà pour l'invitation. Pour accepter une invitation, pardon. Vous vous félicite 100% citoyen. Toi, Dave, ton bon camarade, qui est bien brave pour penser à l'initiative là, lance ce groupe et reste dans le cadre de ce bon principe, bon paramètre qu'ils ont défini à eux-mêmes. Et je connais, on a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonnes intentions, de sincérité dans ce qu'ils ont envie de faire pour le pays. Mais en même temps, une fois qu'on rentre là-dedans, on réalise combien il est compliqué, combien il y a un obstacle, etc. Et comment un terrain miné, qui n'est pas évident pour un nouveau rentre là-dedans. Alors moi, je vais guetter tout ça là avec recul. Je vais juste brièvement dire, introduire à moi, je vais dire qu'il commence bien jeune, moi, dans la vie sociale et politique. Je vais commencer d'abord au niveau Village Council, from the grassroots, comment nous dire. Je finis élu Village Council, je suis président District Council. Ensuite, je rentre dans la politique nationale. Je rentre dans PSM, nous créons PSM, je suis fondateur PSM. Et après, là, nous préparons pendant 3 ans. Là, nous faisons face à l'élection 82. Je suis député pour la première fois. Et en 83, je suis ministre. Là, effectivement, nous rentrons le sujet qui nous peut aborder aujourd'hui. Je suis membre de l'exécutif. Alors voilà, Simone Kappa, et après ça,
quand on termine sa parcours après 14 ans, moi-même, personnellement, volontairement, je décide pour faire autre chose dans la vie. Et je peux gagner un appel au niveau international. D'abord, la Banque mondiale invite moi, viens faire signaux policy advisor dans la Banque mondiale pour aider les régions de l'Afrique. Je fais un an et demi là-bas. Et ensuite, l'UNESCO appelle moi. Je fais 12 ans l'UNESCO comme directeur. Voilà un petit peu les parcours. Et au retour à Maurice, je trouve moi dans mon backdrop et la Global Rainbow Foundation. Pour moi, le 11 novembre 2011, un bébé né qui s'appelle Global GRF, Global Rainbow Foundation, sa bébé-là, de mes enfants, qui m'ont channel pour être capable de venir dans sa phase de la vie, que je m'appelle Giving Back. Je suis trop reconnaissant envers la société mauricienne, envers mon ancienne circonscription, envers mon papa et mon maman, et envers Dieu, qui est capable de donner moi un parcours extraordinaire comme ça, malgré le fait qu'ils m'ont sorti d'une famille bien modeste. Je suis né dans la cage de la paille, mon maman pendant l'école, et à partir de là, mon café sa parcours là. Donc, c'est un faux désir dans moi, une conviction, un call. Je m'appelle ça un call. Il dit à moi, you have to give back. Et voilà que je suis aujourd'hui. Maintenant, ça l'année là, il fait 10 ans de sa service aux plus vulnérables, à l'humanité, comme on m'appelle lui. Et voilà, moi là, aujourd'hui, derrière, je vais avoir un thème qui doit choisir, l'exécutif. Il y a un thème très important. Il y a, trois organes qu'on appelle lui, mais l'exécutif, il joue un rôle pivotal. Mais en même temps, les trois organes qui nous en a, l'exécutif, l'Assemblée nationale, le Parlement et ensuite judiciaire, tous les trois ensemble, et dans notre rôle spécifique. Mais aujourd'hui, nous pouvons être l'exécutif, mais nous avons besoin de dire en guise d'introduction qu'il n'est pas capable de penser un chacun dans ce coin. Nous avons tout une relation et il faudrait nous créer ça, l'harmonie là, le respect mutuel. Personne ne doit pas empiéter l'olipier les autres. Chaque organe a sa propre autorité, son propre paramètre et si nous sommes capables de respecter chacun, c'est là qu'il y a l'harmonie. C'est là qu'il y a la démocratie. Voilà un petit peu en guise d'introduction. Merci, Amogam. Donc, allez, nous lance la balle au bon de manière causée. Effectivement, donc on cause démocratie. Nous en a, en fait, nous avons dit aussi quatre piliers. Hein, donc, l'exécutif, après, l'exécutif nous pour définir un petit moment. Le Parlement qui peut reprendre des mains après trois mois gonzés. Comment se dire ça, que le casse-fan pendant trois mois? Allez, pas fait non rien. OK? Donc, et le judiciaire. Donc, tout ça va un sujet là, hein, ça va une thématique là, il peut venir dans les jours à venir, en fait, pour ça à la fin. Donc, et dans la presse, les médias. Donc, il y a un quatrième pilier, puisqu'il y a un pouvoir, il y a un contre-pouvoir. OK? Donc, finalement, je ne vais pas te mettre ça dans la liste, mais là, on peut faire moins, penser à une affaire qui te font des affaires. Je ne pense pas qu'il y ait pouvoir, je ne pense pas qu'il y ait contre-pouvoir. Je pense que les chiens des gardes, il y a un rôle de watchdog. Tant qu'il n'y a pas fait un rôle du cap, qu'il y a des chiens sans dents, c'est pour bon. Ouais. Donc, il est bizarre aussi indépendant et jouer ce rôle dans un paramètre. Right? Alors, tout ça, ça quatre, comment tu veux dire, là, quatre piliers là. Il faut chacun et un code d'éthique. Chacun et un paramètre et un respect mutuel et les tout là-dedans cadré dans nos constitutions, nos pays, qui est sacré et qui nous a travaillé dans sa cadre. Voilà un petit peu mon analyse pour commencer. Merci. Merci, Omogam. Moi aussi, pour être un coup, si je suis capable de faire comment des screen share, je suis partage un petit peu avec nos camarades, le quoi nous pour causer là. Donc, ce qui dit, moi aussi, nous c'est quelque chose. Je peux trouver quelque chose dans l'écran là? Oui? OK. Oui. Donc là nous peut causer, as on dit, chapter 4, the executive, qui concerne, qui est écrit dans nos constitutions. OK? The executive authority of Mauritius, rôle ban ministère,
après qu'ils aient trouvé à côté là, 58-59, c'est dans différentes sections. Donc, nous ne pouvons pas passer tout ça là, sinon nous passons 4 temps causés avec un bougon pour se remettre, mais nous pouvons passer un petit peu l'essentiel, nous capables, nous pouvons faire le modèle de conversation, hein, donc, prendre un point essentiel. Donc, quand nous causons l'exécutif de Maurice, c'est, d'après nos constitutions, c'est le président qui est le chef d'État. Le premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Et section 58 dit que the executive authority is vested in the president. Right? Donc, après, il y a le premier ministre pour un mandat de 5 ans. Donc, le premier ministre, c'est son cabinet. Le cabinet ministre, c'est qui la constitution dit? Donc, CPM plus 24 ministers. Attorney General is considered as one minister. Donc, c'est PM plus 23 ministres plus Attorney General au maximum. Hein? OK? Ça ne veut pas dire que ça doit être exactement ça. Il n'est pas capable, mais il n'est pas capable. Right? Et pourquoi ceci? Ça fait qu'il nous appelle check and balance. Donc, qui manière le Parlement il a un rôle de chien de garde, comme on veut me dire, ouais, par rapport à l'exécutif. L'exécutif, le ministre et autres, est-ce qu'il travaille la PFR comme en bizarre, etc. Qui manière le judiciaire il a ce rôle. Donc, voilà, mon camarade, c'est là qui nous peut causer ce soir. Mais là, nous connaissons comment on fait dire, probablement infirmé pendant 3 mois, la paix reprend demain. Donc, c'est par hasard qui nous fait cause ça aujourd'hui, la veille de la reprise. Donc, récemment, Tiena Nando Boda, par exemple, qui démissionnait en tant que secrétaire général et ministre des Affaires étrangères du gouvernement actuel, une cause de pouvoir cadenassé. OK? Nous trouver qui dans le Parlement, il y a un Parlement finalement, une mettre muselière avec d'autres muselières, comment nous dire, speaker, peut faire un travail. On ne peut pas connaître l'expression, on pourrait se polir ce soir. Donc, mais speaker empêche que ça check and balance là fonctionne correctement. Est-ce qu'il nous cause sérieusement qu'il y a une vraie séparation de pouvoir pour qu'il fasse fonctionner ce modèle qui nous est supposé et rouler là, de check and balance? Est-ce que l'exécutif pan fini, comment dire, prend la mainmise sur le Parlement? Bon, sachant actuellement là, il est tout le temps comme ça, mais qu'une fois, ce sont les gens, les personnes qui ne changeaient, mais qui n'arrivaient. Est-ce que ça était comme ça longtemps, dans les années 80 et quelques, quand on était ministre? Comment ça se fait fonctionner et qui ou analyse par rapport à l'évolution dans le temps? D'abord, Dave, laisse-moi dire une affaire. Nous pouvons commencer exécutif. Je veux dire, avant qu'il y ait un député qui n'est élu, il y a un premier ministre, ou whatever, parlementaire, secrétaire, etc. Première petite chose qui veut des affaires pour le cas, prend ses responsabilités, ses postes, ses positions, il y a un prêt de serment. Oath for the execution of the office. Right? Alors là, moi, je suis content, je vais dire ça parce qu'il est fondamental. Il est fondamental. Les fondations même des rôles, responsabilités, ban responsables dans l'exécutif. Pourquoi il est bon pour la population qui me lie à eux dans nos constitutions, qui les dire en termes de serment qui nous faire quand nous venons ministre, premier ministre, ministre, etc. Alors, moi, pour lire, I, mettre le nom ministre, being appointed minister or prime minister, hein, do swear or solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times, when so required, freely give my counsel and serve and advice to the president or any other person for the time being, lawfully performing the function of that office, for the good management of the public affairs of Mauritius,
and I do further swear or solemnly affirm that I will not on any account at any time whatsoever disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister or junior minister, and that I will not, except with the authority of the cabinet and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business of, or proceedings of the prime minister, minister, or any other matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I'll be a true and faithful minister. So help me God. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà comment nous commencer. Quand nous prêtons serment comme ministre, voilà comment nous commencer. Hein? Et en même temps, on a un swearing of oath of allegiance. On nous dit, I, minister, personnel tel, do swear or solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. So help me God. Ça, c'est une affaire qui nous fait, pas comme un dernier client, comme ça allait. Nous devons lire avec une réflexion, avec, parce qu'il nous dit, help me God. Vous pouvez comprendre, là, comme je dis, nous avons une responsabilité. Je considère, moi, une responsabilité sacrée. Quand vous prenez ça, c'est un malin, vous devez prendre comme une affaire très sérieuse, et il y a une affaire qui vous devez prendre, comme je dis, une affaire sacrée. Voilà mon résumé dans ce sens-là. Donc, nous devons guider tout au long des responsabilités comme premier ministre ou ministre, tout au long, ou bien garde ça en tête et tout ce que vous faites dans l'intérêt national, dans l'intérêt de la population qui ne vote tout, et vous êtes toujours mettre priorité, l'intérêt, le pays, l'intérêt de la population, parce que c'est ça qui nous vote pour le faire dans l'exécutif, dans le parlement, etc. Voilà. Souvent, c'est. OK. On donne sa introduction là, dis pour ça. Oui. Allez, rappelle-moi. Maintenant, nous avons une bonne question. Quelle année où tu viens ministre de l'Éducation? Je suis ministre première fois. En mars 1983. OK. Et où tu termines? Moi, j'ai un sac qui permet une souris contre moi. Hey, vous êtes. Donc, mais quelle année où tu termines? 95, décembre 95. Donc, on fait un long, très long mandat en oui. tant que ministre. Je vous ai dit une petite anecdote de Dave, parce qu'il nous peut causer aujourd'hui le 22 mars. Right? Le 22 mars 2021, exactement 38 ans de cela, le 22 mars 1983, d'apparemment, c'est une classe en moitié président Public Accounts Committee, Ajay Debi, qui est député speaker, pour qui on a beaucoup de respect, je salue lui, pour sa façon qu'il dirige l'Assemblée. Adjaï, je suis président Public Accounts Committee, je suis président speaker pour faire une déclaration comme président à Public Accounts Committee parce qu'il y a un journaliste qui critique moi dans la presse. Et mon rôle de président PAC. Alors, les speakers ne donnent pas permission, mais nous, dans le même gouvernement, Paul Béranger, qui est ministre des Finances, les objectés qui m'ont causé. Alors, pas pour rentrer dans le détail, mais argument à l'expliquer avec Paul Béranger et moi, mon pays, suivre consigne. Et finalement, mon récit fait ma déclaration. Dans la foulée, Paul Béranger fait une déclaration, on appelle prophétique. Paul dit, dans, pour contester qui droit moi et moi pour causer. Parce qu'il explique qu'il doit moi causer le item statement by ministers. Mais quand tout ministre fait de déclaration, il doit moi causer l'ELA. Right? Alors l'ELA, Paul dit, as far as I know, Parsuraman is not a minister or not yet a minister. Et six jours après, je suis ministre de l'Éducation. Je vais dire ça parce qu'il y a une jolie coïncidence. Chaque fois que le Parlement reprend en début de l'année, il tombe en mars et bien souvent le 22-23. Vous bien dire merci pour le déranger. Il est prophétique et vous êtes ministre de l'éducation. Allez, right. On dit pas que c'est une anecdote, il a un sort. Allez, right. Donc, on fait quand même un très, très long parcours. Et, mais, Mougon Pastoramène, donc, comme on connaît, moi, personnellement, je ne vais pas me suivre les temps longtemps, je ne vais pas me suivre la politique, je ne vais pas me suivre le passé, moi aussi, je suis loin de la politique.
Donc, c'est récemment qu'il m'a fait catch-up. Mais, manière qui, personnellement, me trouve les choses, ça se retient, c'est tout pour hijack. Et ça, demain, nous ne connaissons pas, hein, le Parlement peut répondre. Nous ne proposons pas le Parlement à sortir. Mais l'exécutif, il hijack le Parlement. Donc, nous connaissons qui, pas le parlementaire, je pose question, soit avoir une réponse. Si pas envie d'une réponse. Okay? Mais est-ce qu'il s'est comme ça longtemps? Je reviens dans la même question. Est-ce qu'il s'est même, c'est pareil, ou sinon, la question est ce qui est arrivé, est-ce que le système depends on a person ou il a autre chose? Dès que je dire, en 82, quand Sanou Dagnat, quand l'alliance MMM-PSM gagne l'élection, il est premier ministre, je vous ai dit que c'est une affaire bien solennelle parce que la population qui peut en vivre ensemble, il donne nous 60 euros. Et là, je vous ai dit que c'est un nouveau diagnat. Il fait vraiment, pour lui, c'est une mission sacrée qu'il tient à vous faire. Il est conscient qu'il peut payer sur ses épaules. Et je vous ai dit que je travaille étroitement avec lui, dès 90 à 95, et comme son ministre pendant 13 ans. Non seulement comme un membre cabinet ministériel, mais aussi avec toute bonne relation qui nous a ensemble, l'international, etc. Mobisa Diaou, qui est vraiment bien committed pour jouer ce rôle comme premier ministre dans un respect des les autres institutions. Mobisa Diaou, qui est 100% possible de faire, mais Mobisa dire qui ce principe, il est toujours respecté dans son esprit. De respect des bonnes institutions, etc. Donc, comme un premier ministre, moi-même, quand je suis ministre en mars 1983, je me disais, nous tous, Zen d'ailleurs, et Cassieux a une fête passée, et l'équipe ministre vient, moi, je veux dire, mon petit ministre, là, 31 ans, et vous réalisez qu'il y a un défi nous tient entre nous. Mais ça, nous, Jagnat, comme premier ministre, fin donne-nous ça l'exemple, là. Fin donne-nous ça guide. Sa inspiration, comment pour servir le pays. Et ça, je connais, je dis, oh, France, ça vient de nous, il guide nous, et beaucoup de ministres qui nous suivent ce principe, qui nous travaillent pendant ces 14 ans, 13 ans que nous sommes ensemble là, nous récitons nos pays dans la situation qui était en 82 et amène-les vers tout le développement qui nous connaît, nous appelons le premier miracle économique. Alors, je vais dire une affaire là, je vais dire ça parce qu'il faut dire, d'abord, tout dépend le premier ministre là. Mm-hmm. Vous comprenez, il y a un rôle important et aussi sur un ministre qui le choisit. Yes, vous comprenez, il est capitaine de l'équipe, il est capitaine de l'équipe football. Right? Il choisit sur l'équipe et chacun a joué pour amener un résultat. Et il finance, et ce qui est important, comme vous avez dit, le premier ministre garde tout pouvoir dans son armée. Pas qu'il y en a pouvoir, hein, mais il délègue sur ministre. Il fait autre confiance aussi longtemps qu'il reste dans une règle, dans un paramètre qui est important d'après. La loi d'après la Constitution et plus grosse affaire, servir la population, tiers autres, dans sa misère qui nous trouve, nous là. Voilà. Mm-hmm. Mais en tout cas, quand même, si je comprends bien, ça à l'époque-là, majorité ministre, Marie-Jeanne, a déjà dit, je ne connais pas l'étude à moi, c'est 30 ans à l'époque. C'est ce qui a déjà été dit à moi à l'époque. Oui, peut-être, oui. Et nous avons fait Marie Nouchana qui. Nous regrettons ce départ, ici, tu n'es pas mis en prison. Je peux dire ça, parce que souvent, je trouve un commentaire et pas capable de mettre, entre guillemets, novice au pouvoir. Mais ça, à l'époque-là, je suis tout un novice. Absolument. Mais ce qui est important, c'est l'intégrité et la volonté de faire quelque chose de positif. Plus que ça. Hein? Plus que ça, mon pensée, dans mon cas personnel, vous connaissez, mon reste député pendant 14 ans. Je passe par 4 élections générales. Personne n'est capable d'être moi dans mon circonscription. Donc, mon élite, tout mon élection que je ne prends pas. Et moi, je arrête de faire politique à la fin. Alors là, je vous ai dit, pour capable faire ce parcours-là comme ça, pour capable réussir à faire une mission, il faudrait, à part qu'il y ait un ministre responsable, un monde qui suive la constitution de ce pays, ou bien aussi un l'équerre. Ou besoin de compassion, ou besoin de la foi de bon Dieu, ben qui croyant,
D'ailleurs, dans nous, c'est à moi-même de dire « So help me God yeah. ». Alors, vous ne comprenez pas comment je peux dire là. Hein? C'est un dimoun, ça parce que ça fonctionne là, une fonction noble, une fonction sacrée. Population met sa confiance dans vous, dire « Ouah, libère-moi. Donne-moi mon bonheur, mon famille, mes enfants, la population, les pays. » Ça veut dire que nous devons faire ça avec beaucoup d'attention. Nous appelons un « trust ». Il n'y a pas de nous comme dire carte blanche ou une propriété à pays là où. Vous comprenez? Living beaucoup plus. Alors, si je veux dire, living une affaire, comme dire, qui sacré. Vous ne comprenez pas comment je veux dire, là, hein? Comme dire, on fait serment la Bible, on fait serment le Coran, on fait serment le Ramayana, on fait serment le Tirukural, on peut prendre l'engagement, un trust qui est de nous, et quand vous avez un trust, vous connaissez, vous devez respecter lui d'une façon bien. Voilà un peu ça qui vous a. Anime tout à l'odon. Pour là, on peut dire que tout dépend de la personne. On a raison pour dire que beaucoup dépendent de la personne, mais sans doute la structure aussi est importante. Si on a une structure qui n'est pas bien claire, etc., mais la personne peut aller dans ça. Alors tout ça là est important, mais l'intégrité, la foi, la compassion, le sens d'humanité, et qu'on est qui nous là pour servir les peuples, ça, c'est plus grand qu'une chose qui vous anime. N'importe un dirigeant, qu'il y ait un député, qu'il y ait un ministre, qu'il y ait un premier ministre, qu'il y ait un président, ça bizarre, et le speaker de l'Assemblée également. Bien sûr, ben voilà, nous la PH, nous pouvons cause le speaker. Donc, nous avons un super speaker actuellement à l'Assemblée. Donc, dans l'époque, tu es dans Ajay Debi qui est speaker. Je ne connais pas si je peux poser la question, si je peux faire un parallèle entre Liverpool et Manchester, si nous ne pouvons pas connaître l'équipe qui est Manchester ou Liverpool là-dedans, ou sinon, une autre équipe si vous en voulez. Qui est l'opinion hein, par rapport à la manière qu'il a semblé et que l'explique sur tout le genre des choses. Mon début comme député, c'est Alan Ganou, speaker, et Ajay Debi, deputy speaker. Nous avons tous les deux commencements là. Je veux saluer tous les deux, je veux dire, pour être honnête. Mais Ajay mon plus proche avec lui parce que nous sommes dans même partie. Et bon, pourquoi vous dire, je salue aussi Alan qui fait ce travail comme speaker. Mais Ajay, il est vraiment face band challenge. Et il prend ses responsabilités. Il garde l'indépendance du législatif. Vous ne comprenez pas, il fait un lien, mais pourquoi c'est le speaker qui fait face à une motion d'expulsion. Vous connaissez cette motion? Va dire dismissal d'un parlement et ça vient de leader de notre parti. Vous comprenez? Et là, il vient jouer ça avec beaucoup de délicatesse, mais il vient toujours jouer ce rôle comme expliqueur avec ben respect de l'un de l'autre. Et mon besoin salue lui. Et mon bien content, mon fait que j'ai lui dans cette semaine-là, mon bien content qu'il soit la santé, mais reprend, mon prier bon Dieu pour qu'il y garde sur la santé bien. Et qu'il est capable lui aussi contribuer au niveau national, dépend de l'éclairage qu'il est capable d'apporter, dépend de l'expérience qu'il a accumulée, il est capable de partager sur l'expérience dans un moment difficile qu'il nous peut faire face. Vous connaissez bien pourtant, vous avez dit là, vous connaissez, vous comprenez ça bien, Dave, il ne faut pas oublier, moi je vais vous dire d'une façon factuelle, il ne faut pas oublier l'histoire. Sœur Siusaga Ramgoulam, perdit 90-60-0. Right? L'étant Anirou Diagnat, il y a un problème avec Paul Béranger qui assure l'alliance. Anirou ne connaît pas qui peut faire. Il y a une minorité. Et l'autre côté, qui assure faire, une tension terrible. Vous connaissez que ça, qui me conseille, c'est ça sur Saga Ramgoulam, avec toute son humilité, il conseille, il dit à Anirou Diagnat, toi, le premier ministre, c'est toi qui as tout le pouvoir. Pour qu'il ne dirige le pays, prend contrôle, prend la barre et dirige, pour qu'il maîtrise tout ça là. Et Anirou Diagnat prend ça bien. Et il est là, tout de suite après, il fait une autre élection, comme on connaît en 83. Hein? Mm-hmm. Il fait une autre élection parce qu'il nous partit la majorité. Mm-hmm. Alors, il est là, nous aide l'équipe, il fait besoin de travail, débattre, refait une élection après presque même pas un an. Il est là, Anirou Diagnat prend la barre et là où il y a le real prime minister. Pas qu'il n'y a aucun obstacle à lui, et il est capable lui-même de décider qui peut faire. Et mon capable de dire où c'est un plaisir de travailler à lui dans le Conseil des ministres. Right? Je connais tout seul comme Premier ministre. C'est pour ça que je peux faire mon expérience avec lui.
Mais on connaît aussi ça sous sa caramboulam comme gouverneur général. On comprend comment on peut dire, là, hein? On a la présidence, on a l'exécutif, on a le judiciaire, right? Et législatif. Alors tout ça, on connaît comment on travaille parce qu'il y a des gens de sagesse capable d'apporter. Même Baran Tchobe, comme gouverneur général, m'a besoin de dire, oui, il apporte des sagesse dans un moment difficile. Alors, c'est pour ça qu'il y a besoin de 10 personnes dans une position qui a l'expérience, qui a une sagesse et qui a une droiture respectée dans les pays. Quel conseil outil pour donner nous bon dirigeant à ce outil pour gagner un peu plus de sagesse? D'abord, je vous dire, je vous dis bien franc, je vais causer que les cœurs ouverts, parce que vous connaissez moi un membre fondateur PSM et un membre fondateur MSM. Souvent, je dis, c'est quand vous êtes mon parti, quand il arrive aujourd'hui, il fait moi beaucoup de triste et mon sentiment bien, bien blessé. Premier conseil que je suis capable de dire, c'est que le premier ministre actuel, Pravin Jagnat, il est assis avec son papa, il écoute son papa, prend son conseil, sage, et ça, tu peux être libre beaucoup. Je peux dire ça parce que je connais qui je peux dire. Moi, je bénéficie beaucoup des conseils de Anirout parce qu'il fait un parcours extraordinaire. Qui va nous manquer en finale après, pas pour rentrer là-dedans. Je vais dire sur le principe. Bien sûr. Ça veut dire une zen premier ministre. Nous connaissons dans six circonstances, il y a un premier ministre. Right? Une zen premier ministre, c'est bien capable et l'humilité, et l'arrogance, comprend qu'il nous a apprendre avec un aîné. Ça ne veut pas dire qu'il va pour dicter où, mais au moins, où suivre les pas. Vous connaissez qui est rêve pour faire, qui n'est pas rêve pour pas faire, etc. Mais là, c'est la première chose que je suis capable de dire, c'est l'équipe qui est là actuellement là, je suis bien qu'on respecte, elle prend conseil avec des gens qui ont l'expérience, pas pour diriger le pays par pression, pas par clan. Je dis, vous réalisez, ce n'est pas un ministre qui peut diriger le pays, c'est un advisor, un endomodin, un vignon de secret. Moi aussi, je connais un peu. Right? Si un advisor peut venir diriger le ministère, mon camarade, moi, mon camarade, je mon ministre, je prends un petit advisor, mais jamais je suis osé capable de venir diriger, faire quoi que ce soit dans mon ministère. Je ne suis pas capable de causer avec mon fonctionnaire, etc., donne l'ordre. Je dis, nous connaissons un super rôle, un ministre qui écoute un clan, un premier ministre qui parle lui-même indépendant de son décision, il n'est pas pour un premier ministre faux. Il n'y a pas un premier ministre qui est capable de gérer les pays comme habitué. Donc là, nous, 2021, et nous avons encore trois bonnes années pour rouler. Nous avons eu un SEGA qui nous passait, on ne pas se remettre l'année dernière par rapport SEGA et SAGA. Les deux, hein? SEGA et SAGA. Plus SAGA. Ah, en tout cas, plus SAGA qui SEGA. Donc, tout dépend de perspective pour qui continue de faire ça. Mais qui lit bonnes affaires, M. Kisnen, qui lit bonnes emergency procurement, bonne décision d'une opacité totale. Et bon, moi, je vous partage avec vous. Hein. Donc, pour moi, c'est bonnes affaires qui m'ont trouvé tendé en 2017. C'est ça qui incite moi dans la vie politique. Je ne pas intéressé que ces affaires-là. Moi, c'est moi qui suis la politique. Et si en tant que Mauricien, je continue à respecter, mais je passe mon ami plein. Mais un niveau pareil, il est déjà arrivé avant. Si et toi, à l'époque, tu es dans une période super difficile, hein? Oui. Après, je ne passe la période difficile, je ne viens d'une période de miracle économique. Donc, comment dire, c'est tout. Hein, si les temps goûnent, mais non, amusez. Mais partage avec nous un petit peu ça, l'expérience du passé. Là. Non. Je veux dire que quand nous prenons, vous connaissez à l'époque-là, Paul Béranger, comme ministre des Finances, fait une déclaration qui nous dans une situation, l'économie nous dans une situation catastrophique. Right? L'économie est une situation catastrophique. Comme ça, il dit ça. Hein? Et vraiment, nous dans une situation difficile. Moi, je veux répéter qui condition tu étais, qui la Banque mondiale t'impose l'eau, nous, là. Mais une situation est difficile. Comme ministre, je me rappelle, quand je suis ministre, je n'ai pas gagné l'auto, mais je vais prendre mon vieil auto qui tombe en panne devant théâtre pour lui. Et nous, à l'époque-là, je peux gagner la paie, je vais 800 roupies. Réalisez-vous, je peux dire comment ça a été. Hein?
Ou peut-être à la première ministre à l'époque, c'est 800 roupies? À l'époque là, oui, c'est à l'époque là. Ok. 800 000 roupies, je ne vais pas rappeler exact, je vais corriger, mais je connais le patin. Le patin basique, tu peux gagner, parce que le coût de la vie, c'est à l'époque là, c'est beaucoup plus fort. Hein? Je connais quand tu es un professeur, moi, tu gagnes 200 roupies par mois en l'année 70. Alors donc, pour dire qu'il tient une situation difficile, mais nous travaillons. Nous ne restons pas pays là, arrive quand il est arrivé. Hein? Alors, ce que je peux redire par là, qui, aujourd'hui, nous, c'est l'équipe qui est là, pourquoi pas finir dans une équipe pareille comme ça depuis qu'il nous gagne l'indépendance. Right? Dans l'époque, parti travail, c'est sous Sagaram Goulam, il fait sa contribution, remarquable pour le pays, mais il y a un manquement par Ivan Ministre, etc. Mais cette fois-là, pendant la période de Sanirou Diagnat, il y a un manquement encore, mais dans grosso modo, je crois qu'il amène Batola au bon port et il quitte le pays là dans une situation correcte. Et ensuite, quand Avin Ramgoulam prend le pays, il dirige, il arrive quand il est arrivé. Et tout le monde qui peut faire, qui peut bien faire, etc., qui n'a pas l'impact, je veux dire qu'il y a quand même une discipline si tu peux régner pendant sa période. Mais là, quand on a ça, l'équipe qui prend le pouvoir, là, right? Comme on prend 2019, comme on dit Bonanza. Dans Sega, c'est un collapse dans Saga. Ça, quand c'était un scandale qu'ils ont trouvé, ils viennent tout de suite après. Mm-hmm. Quand ils prennent le pouvoir, là, ils ont une majorité. Vous autres, c'est eux autres même. Gouvernement, c'est eux autres. L'État, c'est moi. Et le Premier ministre, il prend un rôle, comme je dirais, lui-même qui bondit dans le pays. Lui-même qui vous décide tout. Vous voyez, un petit nomination, il faudrait l'approuver. Ministre Pénard, vraiment, sur l'information, je vais démentir, ce n'est pas vrai. Mais je crois que Nando Bodin nous donne un petit bip d'information. Peut-être qu'il nous donne tout, mais il donne un petit peu l'information pour dire comment ça fonctionne. Et il me connaît comme ça. Alors, on comprend comment il était cette situation-là. Alors donc, dans cette circonstance-là, on réalise qu'il est bien difficile, et ça, c'est ça qui amène une catastrophe. Je vous dis, au front d'un cabinet ministre, dans l'exécutif, le capitaine, c'est le premier ministre. C'est lui qui vient prendre sur l'équipe. Il y a un sens, il y a 24 joueurs avec lui. Right? Et il vient qu'on positionne ce joueur-là et fait suivre le règlement football. Vous comprenez comment il y a de l'équipe qui peut jouer là, il peut diriger de l'équipe en même temps. Non, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas se ramener. Il y a un capitaine, comment on peut dire, mais le capitaine il disparaît le mob depuis l'époque. Conférence de presse, le capitaine l'a pas fait, il n'a pas pris aux questions du public, ça, pour quatrième pouvoir, il n'a pas qu'à causer. Le capitaine. Je dis une affaire, Dave, c'est du jamais vu ça. Hein? Jamais pendant 14 ans qu'il y a un Nehru Diagne, tu es premier ministre. Jamais pas de ministre, tu peux laisser advisor répondre pour vous autres. Aujourd'hui, il y a une maladie parmi tous ces ministres qui est là depuis 2014. Depuis 2014, je veux dire, tous ces ministres, je me sens embarrassé. Ministre de l'Éducation, par exemple, jamais ou pas pour tout lui donner une interview dans la Gazette, cause à un journaliste openly. Toute question qui est là, il y a eu le seul advisor qui est un dimoun d'associé à la conscription, mais donc un background, lui, mais il y a advisors. Ce n'est pas senior advisor, c'est lui qui répond à toute interpellation qui est dans l'eau l'éducation. Ce chief technical officer, ce permanent secretary, vous n'avez pas bien causé. Ça veut dire que je peux abdiquer de moi, moi tu l'as télévision tout le temps, avec la presse tout le temps, n'importe qui problème, moi qui ministre, moi qui assume responsabilité et en dirigeant mon équipe de l'administrateur. Vous comprenez comment on peut dire? Ça veut dire que si tu as une tout le ministre, vous allez redonner attention de près pour causer. Donc, on va pour gagner l'information, vous avez causé à Banna. À tel point, il y a un excès. Et un jour, tu es au Radio Plus, tu fais une déclaration, tu es vraiment bien, bien en colère, parce que tu es outré, parce que l'époque, problème qu'Amina Garib Fakim peut gagner, quand pour elle critique, qui s'en a ou quoi l'autre télévision nationale, des advisors, Mita Orban et Ken Arian, ceux qui ont l'autre télévision, ils critiquent le président de la République. Ou quand on peut permettre ça, on ne comprend pas comment on peut dire où là. Yes. Ça veut dire qu'on a un rôle pour le jouer les autres. Et là, on a un coup dans la réalité à ce là. Qui fait tout ça quand on est cafouillage là? Zoubert Dumaï,
qui rôle y en a li paneli d'abord il nomme li advisor là li peut même quoi dire li emo l'OMS le journal il y a un comité scientifique il examine sa vaccin là il trouve li correct n'oblige pas population bizafeli on comprend qu'on peut abdiquer pas tiens ministre de la santé bien souvent li pas tu peux venir c'est Dumay et madame Gold qui tu peux venir docteur Gold oui ou non ou pas capable les mêmes affaires fondamentales comme ça dans la même fonctionnaire parce que le ministre là il dit la comptable il rend compte lui c'est lui qui vient lui on comprend pas comment peut dire là hein mon advisor est là pour advise mais le ministre là pour diriger et pour donner directive qui bizarre et c'est là qui où qu'on trouve un leadership fort éclairé et parlant de Papa Vindagnat depuis qu'il fait sa déclaration confinement là pas fin tant lui du tout moi étonné moi bien étonné qu'il pas tant lui du tout qui raison pas qu'à dire où mais là, Jagat Pal qui peut besoin de défendre tout le dossier. Et moi, je veux saluer mon extra-parlementaire. Là, mon député de demain, vous connaissez qui moi je peux faire. Moi, je ne pas taxer ce problème-là. Mais moi, je veux saluer Rossi Badin. Travail qu'il peut faire, le sens de vaccin, le consent form. Mais il y a un travail extraordinaire. Regarde comment il prend toute déclaration de parlement qui sont une faire, Premier ministre, qui ministre de la Santé. Jagat Pal, une faire. Right? Et aujourd'hui, je peux faire exactement le contraire. Vous connaissez, ça, c'est une affaire importante. Tout le ministre, tout le député, quand je pense à ces amas-là, d'un parlement, ou pas capable de mislead le parlement. Si tu as un speaker, c'est aillé. Right? Et tu veux déjà arrêter et mettre de l'ordre. Mais nous connaissons bien l'épisode. Quand Bobby Hariram, député, débouté, sorti de sa place, maltraite Sakil Mohamed. Et Rodal Laguerre, il expliquait pas de trouver. Mais après, Obloboiram, il présentait ce qu'il expliquait, il acceptait. Vous pouvez comprendre, là, hein? Mais ça, quand des situations là, quand tu prends la sérénité, quand tu prends le respect de ma institution, et quand tu gardes la dignité et l'honneur de ma institution. Là. Parlement, je dis, je dire, quand vous causez des jeunes, ou causez des publics de haut, dit vraiment triste. Je veux dire triste, pour ne pas dire l'autre mot. Parce que ce n'est pas ça qui nous élit pour là-bas. La population ne veut tout, qui a une affaire sacrée. Voilà, voilà ce que je suis content de dire, Dave. Merci, mon gars. Donc, au niveau fonctionnement et ministère. OK, donc il y a le ministre, il y a le permanent secrétaire qui, en fait, bosse pour fonctionnement administratif du ministère. Donc, il vient de PS avec ce député, oui. Etc. Ou dans certains gros ministères, et dans mon SCI, mon senior chief executive. Moi, j'ai l'occasion, cause avec mon ancien, dans l'époque, qui était PS ou autre à l'époque. Moi, j'ai l'occasion ces dernières années, mon actuel. Diversité mitigée, c'est plus une opinion ou une analyse personnelle. Hein, donc, plusieurs anciens, dis-moi comme ça, il y a trop beaucoup d'interférences à Zodi qui fait que plusieurs ministères bougent fixe parce qu'ils ont pas mal de secrétaires et autres. OK, pas faire le dossier là bougé parce qu'ils n'ont pas trop d'accord. Ça, c'est un. Deuxième, il y a une autre catégorie qui. Comment dire ça en créole, au diabout? Donc, qui certaines qui finissent mélangent dans ce système-là pour faire plaisir à M. le ministre ou Mme la ministre. OK, faire jouer qui bizarre. Mais pas pour exactement. OK, favela, c'est nommer le bande différent board pour gagner différents voyage, l'autre pour le passe pas rien à faire faire les doctoratie. Donc etc. Explique-nous un petit peu ça parce que finalement qu'est-ce qui se passe dedans Mougon Presse Romaine? C'est le service au public qui peut souffrir. Absolument. Vous connaissez là mon besoin de revenir encore au Premier ministre, c'est un droit de regard. C'est le Premier ministre, son bureau, qui postait un permanent secretary. Premier ministre, l'ex-secretary du cabinet, je fais partage, distribuer un responsable dans différents ministères. C'est demain, le Premier ministre a envie de changer, il a changé tout. Vous pouvez comprendre, là. Le ministre, il a un petit mot à dire. Bien sûr. Mais il n'est pas capable de décider, ce n'est pas que ça, vous venez travailler avec lui. Vous pouvez comprendre, là, hein? Ça, c'est clair d'abord. Et deuxièmement, donc, ministre permanent secrétaire, tout un fonctionnaire, je veux dire, chacun a son rôle.
un ministre pas capable, on va dire, dépasse cadre. So advise aussi, so civil servant, ça se devoir d'ailleurs. D'abord, les ministres lui-même disent respecter contre la loi, respecter la loi, parlant de au cas, disent dans le serment qu'il prend, vous devez work within the constitution in respect of the law of Mauritius. Ça, les premiers primordiales, vous comprenez? Et quand un permanent secrétaire lit ce devoir, il y a un rôle important. Il ne faut pas nous diminuer ce rôle aussi, il est important. Il ne faut pas lui dire rubber stamping, tout ce qui ministre dit à lui, il est accepté. L'homme qui nous faute, l'homme qui nous gagne un dérapage. Et dans beaucoup de cas, il n'arrive ça. Mais il y a un jeune ministre qui a de rentrer, aussi un petit jeune, il y a un petit peu de respect. Vous avez quoi, même pouvoir, le pouvoir dans votre main, ce qu'ils ont dit à ça même. Même s'il n'est pas dans le cadre légal, etc., vous avez fait aller. Les là, un fonctionnaire, vous avez cédé, malheureusement, et il y a un dé qui tient la tête, right? Mais là aussi, vous avez un transfert, vous avez l'autre ministère, l'autre, etc. Mais, vous avez dit, moi, vous avez dit, quand vous êtes un peu service civil, nous payons beaucoup de calibre qui tient avant. Ça aussi un problème, hein? On comprend, alors? Alors là, c'est un peu une analyse de qui vont arriver aussi, on ne peut pas se rendre compte, comme on connaît plusieurs anciens. C'est un ancien vraiment bien sévronné, bien mature, et qui donne un advice qui vise. Ou envie de faire une affaire, il dit correct. D'abord, avant qu'il fasse affaire là, ou s'il est haut d'ordinaire, ou vous avez un cabinet de décision, une policy decision. Vous avez dit aussi, mon survive, comme ministre de l'Éducation, pendant 13 ans, c'est parce qu'ils m'ont toujours respecté le cadre. Et beaucoup de décisions qu'ils m'ont prises, comme ministre de l'Éducation, si les décisions sensibles, jamais je ne prends les tout seul, je ne prends les avec consentement conseil des ministres. Et surtout, en close consultation avec le premier ministre. Ce qui facilite beaucoup mon travail. Vous comprenez là? Si on adopte ce principe-là, ou pas pourquoi parler en dehors cadre. Quand on est ministre, ou pas tout puissant, hein? Disons au ministre de l'Éducation, moi, je dis demain, moi, comme ministre de l'Éducation, je peux arrêter l'éducation gratis. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Ou bien le conseil des ministres, si le conseil des ministres dit oui, une policy decision ou d'accord, là, ou comme ministre, vous exécutez. Vous ne comprenez pas ce que je peux dire où, là. Hein? Ça veut dire un ministre n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout puissant parce qu'il y a un paramètre qu'il a respecté. Alors, donc, un fonctionnaire dans le rôle, je veux qu'on fasse respecter ce rôle. Mais quand le ministre peut dire qu'il fait des affaires qui ne sont pas dans le cadre, il a besoin qu'on argumente bien. Mettez-le l'autre dossier, vous connaissez, dans une minute qui vous fait. Il a besoin qu'il argumente. S'il n'est pas sûr, il dit mon avis sollicité à General Office. Qui fait, hein? Quand un fonctionnaire peut dire qu'il fait des affaires, moi, quand j'ai un cas pareil, je me doute, je dis mon advice sollicité à General Office. Le bon point qui n'a pas d'implication juridique. Les solliciteurs général donnent son advice, les ouvriers tout bien, les là d'un ministère prend des décisions. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en cas que vous pensez à un sensitive issue, vous devez consulter le cabinet ministre. Quand on fait tout ça là, les là sont capables de fonctionner avec sérénité. Mais qu'en cause de partage un petit peu avec nous, M. Gombas Romain, un cabinet des ministres, quand le cabinet peut siéger, un après ce qui m'appelle sa responsabilité collective, là. Expliquez un petit peu comment ça. C'est une responsabilité importante, il fait partie de ma obligation, et il est bien sacré aussi. Si vous violez sa responsabilité cabinet ministériel, là, vous pouvez aller comme ministre. Right? Et si il y a une décision qui peut prendre dans le conseil des ministres ou pas d'accord avec sa décision là, ou dire dans le conseil des ministres. On a devoir pour causer, dire tout ce qu'on a pour dire. Et après, quand le conseil des ministres il prend une décision avec une majorité ou un consensus, you are bound by it. Si on cause contre ça, ou bien quitter comme ministre tout de suite. Ça, c'est les règles. C'est un règlement, un ministre qui a observé. Ça, c'est clair. Vous comprenez, vous pouvez vous assumer là-dedans. Hein? Et aussi, si un ministre est fauté, right? D'abord, le premier ministre lui-même, il faisait l'eau sur garde. Il faisait tout un, ce qui est l'équipe, il faisait une fauté, il faisait sauter. S'il est fauté, il faisait sauter.
Vous comprenez? Je prends l'exemple que Manny Woodin fait dans certains cas, pas dans tout cas. Hein? Dans certains cas, comment il prend action tout de suite comme certains ministres qui finissent dans l'allégation contre les autres, mais contre les autres, il ne peut pas faire. Hein? Ça, nous devons faire là, la politique qui nous est plus telle. Alors, ça, un premier ministre, il est besoin intransigeant. Comment, nous prenons Kayo Gilas Abinaden. Comment ça finit traîner, ce qui a obligé à finir la démission? Mais il n'est pas faire l'honneur à nos pays. Il n'est pas faire l'honneur le poste du premier ministre. Vous comprenez? Et là, tout le manquement qui finit là, mon cardio, quand il y a un manquement, le ministre tremblait en ce moment, parce qu'il n'est pas toujours faire kata-kata, pour rappeler tout à l'ordre et pour prendre une décision qui bizarre prend, pour sauvegarder l'intégrité de ce gouvernement. Et moi, je dis à Navin Ramgoulam, ici, comme premier ministre, il n'y a plusieurs cas quand il prend sanction contre ce ministre, qui est en dehors au cadre, et en attendant qu'il enquête faire, vous êtes capable de rétablir les autres. C'est ça qui vous besoin comme un leader, un premier ministre, ce rôle est bien important là-dedans. S'il n'est pas fait, vous connaissez qui peut arriver, vous êtes tout pour profiter de là. Ah, premier ministre, pas dire non, mais nous, si nous faisons pareil. C'est ça qui peut arriver, c'est même tout des autres. Et surtout, un advisor, mais contre l'accès, comme Baudin dit, mais c'est qui premier ministre là, pas faire ce travail que moi besoin faire, advisor, pena pour pena autorité, l'autorité, l'oban ministre. Chaque ministre est là sur l'autorité, sur responsabilité, et certainement sous le premier ministre, mais pénamane intermédiaire, bin cause. Car, en Eru Diagnat, le premier ministre, comme Obizali, comme ministre, moi, le get li direct. Vous comprenez? Et lui prend décision qui bizarre prend. Pas besoin de man advice. De là, moi, je suis bien triste. Je vais vous dire non, la personne, mais une personnalité importante du pays, un ancien poste constitutionnel, il peut dire, moi, il demande un rendez-vous avec le premier ministre. Et il n'y a pas de rendez-vous là, scalaire, il y a des mois. Là, il y a mon tout advisor, mon dit advisor, là, vous donnez un rendez-vous. Vous réalisez où? Il speak a lot of what's happening. Alors, non, voilà. Mais mon pensée, mon comparaison romaine, c'est quand même, si mon advisor est capable de permettre d'autres vignes de l'avant, entre guillemets, parfois remplace même le premier ministre par rapport à certaines réunions. Ça peut faire avec la bénédiction du premier ministre parce qu'il y a un problème, sinon un mauvais problème. Pas gagné droit à faire ça, mon président Diaou. Le département important, c'est des ministres qui tiennent. Pas un ministre, c'est un advisor qui va l'assister. Mais pas d'autres qui décident. Vous comprenez? Un advisor pas lui capable de décider. Et ça, mais ce qu'on tolère les autres, ben, là, vous prenez, quand vous donnez autres, comment on appelle ça? Vous causez dans le créole là. Tenez un pied, prends un homme. Voilà. Ou de nous autres, un petit entrée de prendre la roulanette, prendre la calnette, etc. Ça veut dire que c'est un ministre qui vient, comment dire, poupette à l'eau. Pouf, il y a un problème là. Pourquoi vous dire poupette? Je vais vous dire en réalité, et là, ça manque de respect de mon rôle, chacun qui vient faire. Moi, je blâme tout ministre, hein, moi, je vous dis, il y a bien des cas où tu roules. Alors, moi, je vous dis, un autre exemple. Hein. Moi, dans le combat qui m'a amené pour une personne en situation de handicap, je vous ai dit, je suis déjà causé avec le ministre Fazila Doriaou, ce service ministère de sécurité sociale pas peut fonctionner dans l'intérêt ça va un pauvre du monde vulnérable qui gagne un service. Si je donne un seul petit exemple, le Parlement a prouvé pour tous les enfants qui ont un handicap, right, et qui perdent l'école primaire, secondaire et tertiaire, autres pour gagner remboursement taxi. Un hard disabled, ça, hein, man qui est disabled sévère, OK? Puis Zen a prouvé. Un an après, non, il n'y a pas de faire pour implémenter. Le deuxième année, encore pas encore implémenter. Moi, je connais un banca qui m'a aidé pendant 3 ans au CSA, paye ce transport. Et l'étant fait compte, pas encore payé autre remboursé, bidze qui me votait. Vous réalisez où? L'AMOLO a une émission radio, Radio Plus, et qu'un réellement, c'est un fonctionnaire pour qui on a beaucoup respect de la sécurité sociale, un assistant commissaire, sur le plateau avec moi. L'AMO dit, ce problème-là, il dit, moi, Michel Passo, ramène, donne-moi des détails là, je parle de ça, et vous allez dire, lendemain, problème-là est réglé. Vous ne comprenez pas comment je peux dire, où, là? Yeah. Moi, tu déjà soulève ça comme ministre Etienne Sinata en bout, là. Il dit, oui, nous pouvons ça, il va faire rien. Alors, ça va être un fonctionnaire
ces autres devoir implémenter une bonne décision. Vous comprenez? Et vous pas capable de traîner une décision pareille pendant 2 ans. Alors, ministre-là, il pas peut suivre ce bon ministre, ce dossier. Ça aussi, moi, besoin de dire, ouais, mon ministre, mon connaît, qui m'a peut dire, moi, aucun dossier pas typé ça, moi, moi, besoin de dire, oui. Moi, tiens un plaisir pour répondre aux questions parlementaires de parlement. Toutes questions qui m'ont envoyé, moi, direct envoyé, moi, toujours répondre, parce que moi, connais mon dossier net. Alors, ça, c'est une fonction, un rôle, un ministre. Le ministre, il besoin donne une directive, le policy, et fonctionnel, là, besoin de suivre. S'il n'est pas suivre, bien sanctionné. Parce que si vous ne pas mettre sa discipline là, c'est ou population qui vous souffert. Bandimoun qui ne vote tous autres pour souffrir. Ou qu'on la misère qui bandimoun est là par rapport à la sécurité sociale. Allez, là, un bandimoun qui a un handicap, un centenaire, right? Qui maintenant est immobile, il est là. Les demandes de sécurité sociale, une 16 roulante, qui coûte 3 000, 4 000 roupies. Tout réponse qui sécurité se dit à peine, peine à 16. Ou l'ON la liste, vous attendez 3-4 mois. Ou réalisez-vous les corrects ça? Voilà ce que je peux dire. Un hein? Ministre, non seulement le bizarre est policy, mais le bizarre veiller dans les détails si pas van exécution peut faire properly in the interest of the nation. Voilà mon principe. Là. Vous avez avec vous depuis 10 ans. 2 ans, 3 ans, parce que je peux travailler ce qu'on appelle transformation, transformation of government, transformation secteur public. Donc, peut-être dans une des semaines par là, je peux travailler un débat, la transformation du secteur public, parce que d'après moi, en ce outil, manière que les choses sont arrivées, il nécessite une vraie transformation, je ne peux pas dire drastique. Parce qu'il ne fallait pas les drastiques. Drastiques, it brings chaos parfois. Right? Mais qui est une sorte de KPI qui est tout à fait visible, qui est tout à fait transparent. Un tel peut cacher ta bâtiment, il est visible pour les autres, etc. etc. Ok? Nous venons là dans quelques semaines, nous pouvons inviter en tant qu'ancien ministre dedans, parce qu'il me pensait à sortir, nous pénage quoi, nous publier passe pour un modèle de transformation. Pas oublier, nous avons une autre layer technologique à Zoudi qui facilite la vie tout le monde. Okay? Mais nous causons des paroles, vous ne pouvez pas se remettre allez, dans la Constitution, nous disons qu'il y a un maximum de 24 ministres à la porte de PM, une cause de responsabilité collective. Et il y a dans section 66 de la Constitution une cause junior ministers, qui est un maximum de 10. Okay. Et peut-être notre CAF termine la section 72 du secteur exécutif, le rôle DPP, qui est appointed by GLSI, et le fait qu'il est nommé par Judicial and Legal Service Commission. Donc, des paroles aux junior ministers, est-ce qu'il y a un PPS à ce outil? Parce que le PPS n'a pas existé dans la Constitution. Et PPS, c'est un député un peu plus extra, disons. Qui votre jeu de content suivre Colton à la route le temps. Oui, ils ont gagné une responsabilité. Au longtemps, tu as un concept de junior ministre, mais après, il a abolié. Tu peux gagner une clash. Je veux dire, où, quand on a un ministère, qu'un junior ministère souffert beaucoup. Ou soit c'est junior ministère débrouillard. On comprend là, il ouvre ça de son ministre. Et il y a un conflit grave qui finit là. C'est pour ça que finalement, il y a un couple, on a un ministre, un PPS, une responsabilité de circonscription pour qu'il overall l'infrastructure, etc., qui a un rôle, on peut dire, useful, right? Mais ce problème-là, il y a une classe beaucoup tout le temps. On ne peut pas définir bien clairement qui est un ministère bien faire, qui est un junior ministère bien faire, et donc il y a une source beaucoup plus de conflits qui permet d'élever le travail à les impétra fardeau le ministre. Bon, ça un aspect, hein? Mais vous pouvez causer aussi le directeur public prosecution, non? Oui, yeah, tout à fait. Là, c'est un poste que nous connaissons plus ou moins constitutionnel, parce qu'il est appointé par Judicial and Legal Service Commission. Heureusement, ce n'est pas le premier ministre qui appointe lui. Si le premier ministre s'appointe, il faut croire que l'ICAC aujourd'hui. Vous comprenez ce que je peux dire? Bien sûr. Et il y a une tentative avec sa prosecution
commission qui tu mets en place là, que tu peux enlever ça, l'autonomie, ça, l'indépendance d'IPP, et ça, tu peux chaos pour les pays. Dis-nous, tu peux, comment dire, complètement sous l'emprise de l'exécutif. Heureusement, et là, moi, vous connaissez, vous pouvez les choses d'une façon objective, moi, je ne suis pas dans la politique, je suis bien apolitique dans le sens, c'est-à-dire, je ne suis pas dans un parti politique, voilà, je ne suis pas partisan, je suis mon pays d'abord. Et quand tout le monde peut causer, je peux causer qu'une franchise, et je peux causer, d'après moi, dans mon toute conscience, le van fax. Alors, ça, il y a une petite chose qui est bien important. Et donc, je veux dire que les DPP, il y en a sur autonomie. Et là, je salue Duval. Si Xavier Duval, pas de démissionner dans le gouvernement, pas donne pas les permis trois quarts, mais sa prosecution commissionnaire, tu viens en place. Ou réaliser Zodi. Moi, mon corps, bien capable d'un Dieu, rendre à César ce qui est dû à César. Hein? Moi, mon corps, besoin de reconnaître chacun. Je ne peux donner ni par l'étape là, chacun, sans aucun, comment dire, parti pris, chacun qui ne fait dans un moment donné et qui marque l'histoire du pays. Alors, donc, ça, l'équilibre là, il est bien, bien important et c'est comme ça qu'il nous capable de fonctionner et assurer nos démocraties. Alors, DPP a ce rôle, il peut jouer ce rôle pleinement. Right? Judiciaire a pris ce rôle pleinement. Nous avons ça, et vraiment, nous avons ça des sauvegardes là. C'est ça qui est capable de garder ce pays-là comme il était, malgré une tentative pour capable déstabiliser. Right? De l'autre côté, on a un autre groupe constitutionnel, la police. Quand nous connaissons qui peut arriver, comment il peut fonctionner, pas pour entendre en détail là-dedans, hein? Qui va nous faire. Bon, on connaît, je suis capable de dire que. Rossi Baden, il fait un bande d'affaires extraordinaire, etc. Mais laisse-moi dire un bande d'affaires hein? Pour dissiper du groupe. Vin d'un comité national. Ou quelqu'un qui était là, il y a un prime minister dans un high-level committee. C'est un super film. Il servit, non, il servit télévision publique pour venir attaquer Rossi Baden pour une affaire qui passait là-bas. Si c'est un case contre lui, ou mettez un case, laisse la cour décider. Ou pas une attaque Bougla et qu'elle est attaquée quand Baden réagit, là, il me dit à cause là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va nous faire là, pas vous servir de tout ça. Ça va nous faire là, pas bon pour l'image. Vous ne considérez pas attaqué, Baden va dire non, y est. Vous comprenez? Alors voilà, ça c'est une affaire qui est évitée. Un public servant bien connu, ils n'ont pas qu'à faire une chose pareille. Si on a fax, si tu finis l'ose en plainte, où tu peux venir dire, il y a une plainte, voilà, ça a telle affaire. Vous comprenez? Mais là, on a Baden dans son interprétation, Lili peut donner son interprétation, un cafouillage terrible. Yes, Dave. Bien sûr, bien sûr. Nous écoutons Rachna Asinos, oui. Il y a quelques questions des internautes, si Rachna n'est pas là. Donc, Rachna Pankola, c'est pas très grave. On en arrive à 21h05. Et est-ce qu'il y en a, allez, nous dire des paroles, donc nous connaissons qui est Premier ministre, peine à limite de mandat, capable de faire whatever numbers, OK? Qui vous pensez, vous comme pas sur Romain, par rapport à limitation au mandat? Est-ce qu'il nous disait un commandement de différentes démocraties, hein? Donc, quand il y a une limite de deux mandats, qu'il est l'Amérique, la France, etc. Hein? Donc, la France, absolument. À l'époque, c'est un septennat, après une quinquennat. Ouais, ouais. Exactement. Okay? Bon, vous avez dit, alors là, tout ça causait qui nous causait dynastie, etc. Là, tout ça causait qui nous connaît quand un premier score de pouvoir. C'est à cause et dans cette situation-là que je suis capable d'unlimited terms. Vous comprenez? L'IPN a sa demande là. Un pays comme l'Amérique, un président qui existe 4 ans. Lui. 4 ans après renouveler. Trump, il perdit. Après 4 ans, il est allé. Vous comprenez? Là? Nous, Maurice, le premier ministre, il a 5 ans. 5 ans, c'est a good time. Si vous faites bien, si vous avez des mandats, vous gagnez 10 ans. Mais 10 ans, on est capable de faire beaucoup d'affaires. Hein? On comprend que moi, this is a modern trend, this is democracy. Si un individu reste trop longtemps, l'homme qui lui prend tout pouvoir, il n'est pas regagner l'élection encore. Ça veut dire bien couper ça. Et là, moi, je vous dis une affaire. Tout le parti politique, de l'opposition surtout, moi, je vous dis aux autres, plus vite possible, dans le travail qu'ils peuvent faire pour contrer une action gouvernementale, plus vite possible, je vous dis, viennent devant la population, présente une grande liste de programmes.
Et un là-dedans, l'épisode, ça a fait limitation, mandat premier ministre. L'épisode, figure par les bandes top. L'épisode, comment on peut dire, réforme secteur public, ce structure, même ce département, bien qu'à restructurer. Et pas difficile pour qu'elle fasse ça, moi, bien dire où. Pas difficile. Well, apprendre avec Singapour. Tout le temps, nous disons, non, uniquement Singapour. Eh bien, apprendre avec Singapour. Tout ce que vous pouvez dire là, il y en a pour son ministre, il y en a pour son fonctionnaire, il y en a un règlement qui doit tout respecter. Et c'est ça qui nous permet de Singapour réussir. Vous comprenez? Alors, nous ne pouvons pas apprendre que c'est bon là, nous. Right? Et si nous apprenons tout ça là, nous ne pouvons pas transformer nos pays. Pas pour qu'on fasse overnight, comme on peut dire, ou tu dis, t'as l'air là. Pas pour qu'on fasse overnight, mais nous avons fait une phased reform implementation qui peut donner nos résultats dans 5 ans, dans 10 ans. Sans qu'il disrupte le fonctionnement du système, tout à fait. Il faut des bonnes parties d'opposition qui aspirent pour prendre le gouvernement. Right? Ils ont besoin d'amener des projets, des réformes, des propositions concrètes qu'ils ont besoin de respecter après. Pas dès que Diali dans le manifeste, ça n'a pas oublié que ma élection finit. Et ça, vous comprenez, mandat premier ministre, réforme, même système, rôle, pouvoir premier ministre, bien amendé dans la constitution, pas donner un super power, il n'est pas possible, un niveau de l'intégralité de pouvoir là, bien capable de calibrer les biens, reste dans le cadre, renforce tout les autres institutions, l'ICAC, bien totalement indépendant, etc., etc., et quand vous choisissez Dimounsi, c'est bon qu'il l'Amérique, Lili Ferli, beaucoup de nominations, ambassadeurs, ils ne passent pas au congrès. On comprend qu'ils vont pas dire, ouais, alors Maurice aussi, vous avez trouvé un système pour choisir Bandimoun. Nous vous avez choisi Bandimoun d'après votre mérite, votre compétence, etc., pour qu'il remplir sa rôle-là. Moi, je veux dire, comme je suis ministre de l'éducation, moi. Moi, j'ai beaucoup de postes, j'ai beaucoup de para-étatiques dans mon ministère. Qui s'en a nommé pour président comment Mauritius Exam Syndicate, c'est l'ancien juge Gobardin. Mauritius MAI, Frank Richard. On ne comprend pas comment on peut dire où là. Hein? Pour Tertiary Education Commission, moi, tu mets Sir Victor Glover. On ne comprend pas comment on peut dire où. Si vous soignez un bandit comme ça, vous connaissez où vous avez un résultat là. Mais si vous mettez n'importe là-bas, vous verrez comment ça peut fonctionner, ben, président en commission. Par étatique, et n'a pas mis à mettre des hauts tout de suite là récemment. Nous avons cas est ici, ce qui est passé là-bas. Alors, tout ça, nous affaires là, il est fondamental. Il faut nous mettre une clause bien claire. Comment vous faites cette nomination là? Pas quand un board refuse nomination à un dimoun. Vous connaissez dans qui cas on peut dire là, hein? Quand refuser, board là, suspend, board là, expulsé. Prendre l'autre board, appointer l'autre dimoun qui vient nommer sa même dimoun. Mais quand nous pouvons aller dans le pays, vous ne comprenez pas comment on peut dire là? Bien sûr, bien sûr. Non, bizarre, a aussi une limite dans tout ce bon nomination. Mais peut-être qu'il va me dire ça pour une partie de l'opposition, parce qu'ils devaient aspirer pour reprendre le pouvoir, yeah. Mais pour reprendre le pouvoir, sa population là, je vous dis, mon gouvernement citoyen, il montre lui. Right? Il n'est pas pour accepter tout. Il faudrait vous montrer lui qui est crédible. Qui mine business, qui pousse sans beaucoup d'affaires, right? Beaucoup d'excès qui nous peut trouver pour arrêter, right? Et si on donne lui sa garantie là, et là, vous pouvez donner confiance et vous pouvez reprendre pouvoir. Si vous pouvez donner sa garantie là, je ne pas quoi, il est facile. Je besoin dire lui, il faut qu'ils aient bien avec ça. Même l'élection pas maintenant, vous avez commencé à applaudir le monde sur l'esprit, qui voilà ce qu'il nous peut faire nous, une grande ligne. Une réforme fondamentale qui vous permet les pays de réussir ce parcours. Merci. Donc, Rachna Sinot qui est revenu, enlève ton micro. Si tu as quelques questions des internautes, première question pour M. Tena. M. Pansour, Amen, il finit répondu, il n'a pas dit en grande qui van mesure nous vise à implémenter pour nous redresser un petit peu la situation que nous retrouvons aujourd'hui. Mais c'est vraiment bien important là-dedans, Dave. At the end of the day, tout ça là, nous pouvons faire les tout, l'ICAC, Parlement, le. Mais tout peut revenir à une seule dimoun qui, une saison trouve mon status inga des eaux, l'IP respecter confinement plus bien qu'ils ont tout. D'accord?
Alors, est-ce qu'il est, et la plupart des tribunes qui peut commenter, je peux dire bien réécrire la Constitution. Alors, monsieur Passoramel, mais je n'ai pas envie que nous, ou l'opinion, Lola, qui manière nous capable qu'à ce système que tout ça pouvoir là, les concentrer dans l'armée indimune. Des petits à petits dire ça. Oui. Ils ont dit, nous, on est fou. Mais qui arrive si dans next mandat, le gars est beaucoup plus fou encore? Ou bien. Un Donald Trump, vous pouvez dire. Oh God, touch wood. J'espérais non. Pas connu, capable d'une médecine qui sort demain ou ça. Un vaccin là fait une espèce d'effet qui fait un joker. Exact. Alors, peut-être, moi, un peu plus spécifique, peut-être nous utilisons un peu un shared power, que nous élisons nos présidents et le premier ministre, mais tout pouvoir n'est pas concentré dans l'armée premier ministre qui dictait président, mais c'est un peu, peut-être un petit peu, je parle un petit peu, vers ce qui Ramgoulam Béranger qui présentait 2014. Est-ce que ça, les partis pour idéal, vu sa dernière 6 ans là, qui ça, comment nous tout nous ban, vous êtes tous la loi qui est dans la Constitution, tout cap et tout être bafoué. Aujourd'hui, oui, on a un parlement, demain, ça pour commencer, mais que j'ai quand même député grand matin, mais j'ai dit ça que c'est back in town, il dit moi, yes, get ready to love. Mais il n'est pas possible, c'est le temple of democracy, il n'est pas possible qu'il nous n'ait pas de respect pour le temple de la démocratie. Alors, qui ou l'opinion, si comment dire, nous capables de casser ce système que de pouvoir les concentrer dans la main, c'est le dimanche. Vous avez dit une affaire, Asna, c'est que, moi, l'opinion, il n'est pas pour sens grand chose. Mais ce qui m'a besoin de dire, moi, c'est que tout le monde peut revenir, l'eau, qui banne qui peut amener ce banne sans moi là. Nous cassons tout être lit. Oui. C'est banne d'immune qui peut aspirer pour prendre pouvoir. Et quand on vient au pouvoir, d'autres sens dit, get l'école 80D, gouvernement MS, MMM, PSM, tu amènes banne sans moi dans la Constitution. Oui. Vous comprenez là? Je tiens la volonté, je ne fais lit. OK? Alors, c'est banne groupe qui peut aspirer à venir pouvoir. Là, si on a un assemblement, l'actuel gouvernement, s'il a envie de venir avec une mesure pour changer, avec moi, électoral reform, etc., il peut amener ça. Nous avons causé, nous, mais nous ne pouvons pas amener non. C'est pour ça que je peux redire encore. Nous pouvons donner une alternative, non? Nous pouvons donner un changement. Et changement, là, c'est l'alternance, c'est l'opposition qui peut aspirer à venir au pouvoir. Si chacun prend un langage allemand bien solennel, si nous venons au pouvoir, voilà ce qu'il nous faut faire. Vous comprenez, les là, vous pouvez faire ça. Parce qu'il nous cause, moi, je dis mon opinion, pas vous sens non. Il faut des bannes là et population là-dedans. Moi, je suis bien content quand je suis tout Bruno Lorette et son groupe, un groupe citoyen. Il y a un comité quand il y a 4 leaders partis politiques, il fait signer un engagement avec lui. Incroyable, mais vrai. Je salue lui parce qu'il réussit à faire ça. Parce qu'il est capable de faire sa marche-là, un succès, etc. On trouve qu'il y a une bonne condition, lui. Hein? Et c'est ça qu'il vient faire. Tout le monde, l'alliance, tout le monde parti qui vous venez, vous avez une donne à la population. Dès maintenant, voilà, nous nous posons constitution, nous nous posons mandat, nous nous posons respect à l'institution, etc. Je dis clairement comment ça peut opérer. Vous pouvez comprendre? Léa là, ou pas prenez sa bonne cafouillage-là, la population capable de garantir, et ça aussi, si je gagne majorité, après, je fais aller. Ça aussi, pas qu'à garantir. Hein? Vous ne comprenez pas comment je veux dire. Mais, alors, ça, ma affaire là, bizarre fait binding, mais citoyen, bizarre reste le garde. Donc là, qui m'a tout Bruno sur l'idée qui. Je ne vais pas suivre tout sur l'idée, je vais dire, c'est l'idée. Quand les citoyens, bizarre toujours jouer ce rôle watchdog. Quand un député vient dans un village, dans une région, et il peut faire ce qu'il peut faire dans le gouvernement, ou bien rappeler lui. Je ne vais pas vous là-bas pour faire ça, moi. Vous comprenez? Mais malheureusement, je vous dis, il y a beaucoup de pression le bandit, l'électorat. Il n'a pas qu'à causer. Il n'a pas peur pour causer. S'il y causer, ben, sa famille pour gagner un problème. Vous comprenez? Il n'est pas pour gagner un travail, il est pour victimiser. C'est ça qui est arrivé, malheureusement. Alors donc, moi, ce que je peux redire encore mon point, c'est qu'il y a une partie dans l'opposition qui peut aspirer à venir au pouvoir. Ce gouvernement-là, je ne sais pas quoi, il peut amener plus de changements, un nouveau changement.
li pou fè tout ce qui existe pou li bon pou li ka kontinye sou pouvoir mais l'autre gouvernement l'autre l'opposition qui peut aspirer li bizè propose sa bonne mesure fort et ça li fait une consultation nationale dès maintenant vous comprenez et tout bonne force vive et là il y a même une sa bonne proposition pour répondre à l'aspiration l'île Maurice moderne et ben jeune et ben intellectuel ben dit monde qui peut bien penser l'intérêt pays ils ont besoin qu'à contribuer à ça voilà mon pensée moi qui pour la solution mon pas la solution mal pratique moi capable dire mon content ça pas content ça mais il pas pour ça non rien aussi longtemps ça ben bouc qui vient d'apparemment là je pas faire lui même ben député mon besoin dire où mon pas moi bien récemment mon partage une vidéo de Manon Aubry, pardon, un député parlement européen. Mon partage sur vidéo, qui est un camarade qui a voulu moi, hein? Mon partage lui, faudrait vous écouter lui. Mon a voulu ça un débat jeune député qui m'a dit qu'on zote avant, qui ne rentre dans le gouvernement dans parlement maintenant. Mon a voulu zote ça. Mon dit il comme tu connais toi, comme tu peux donner toi un advice pour rentrer dans la politique. Mon tu as envie zodi, tout toi peux prendre position pareil comme ça député là. Sa courage qui fait nana pour dire ce qu'il vient dire. Dave, c'est ça qui distingue un député qui peut faire service au niveau de la nation. Right? C'est ça qui distingue. Mais combien nous trouvons comme ça aujourd'hui? Je ne veux pas dire pas possible, ben non. Je bien de ce qu'il y a un jeune député qui soit dit non pour amener un changement quand vous avez un comportement, de façon qu'il prend une position dans le parlement, dans le public, mais il n'est pas du tout faire l'honneur. C'est pour ça qu'il ne peut pas bien tomber dans pièce, mettre tout dans le zen de ce pays-là. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Je suis zen, moi, pour commencer. Je ne peux pas faire mon parcours, mais vous avez un mélange. Vous avez un monde d'expérience, un sagesse qui est là. Right? L'air là, vous pouvez venir une équipe qui est capable de diriger ce pays-là. Diriger un pays, ce n'est pas facile, ça. Hein? Mais diriger un pays, ce n'est pas facile. Allez, right, pardon. Je vais ajouter un petit bout de là parce que je suis d'accord qu'il y a besoin d'expérience. Ce n'est pas mauvais de dire ça parce que je suis trop zen, je ne sais pas qui. Moi, je n'ai beaucoup de respect pour la classe politique d'antan. Mais je me demande de dire qu'il y a ce papier-là, M. Amougom. Et ce papier? Ce papier qui vous fait mentionner avec Bruno et tout. Il y avait Dave, il y avait moi-même. Oui, tu es là-bas aussi, oui, je connais, oui. Il y en a 5-6 mesures qui enfin, bon, une de l'entrée, les mesures, mais une banane qui est bien compacte, 5-6, mais c'est bonnes affaires qui nous vraiment bizarres, nous, les jeunes, nous vraiment bizarres. Absolument. La corruption, la démocratie, tout ça, là, nous l'adressons là-dedans. Mais là où le bas blesse, je suis désolée, l'expérience, après une semaine, c'est l'expérience qui vous peut dire à nous, là, nous bizarres, là. Après une semaine, l'expérience, ça qui nous fait à nous. Nous, on est des groupes de gens, puis de la guerre, puis, you know, we're doing so much. Mais non, après, que de volonté de sa bonne expérience qui vous peut dire à moi, là. Mais pas trop ça. Vous n'avez pas envie, mais pas trop ça d'envie de casser ce status quo, là. Je suis désolée. C'est moi, Rajnam, ou d'accord, sorry, hein, on va oublier que vous êtes tous ensemble, hein, vous êtes tous ensemble. C'est la résistance. Pourquoi tu as un autre groupe encore, non? Je tiens ensemble de tout. Il fait un bon travail. Et comme ça qu'il nous a fait le travail. Là. Je veux continuer à maintenir ça. Pas accepter non, il y a un partenariat, une association, sans qu'ils aient une condition. Donc, ils ont croire. D'après les autres consciences. À aucun moment, ils n'ont pas les autres consciences. Pas les autres, pas dictées par les autres consciences. Vous comprenez? Lola, je veux ferme et je sans sa mentalité-là. Je suis totalement d'accord avec vous. Une semaine après, ce grand événement-là, nous connaissons qui finit arriver. Et les malheureux, les tristes pour le pays. C'est l'espoir qui nous fait enlever une chose. Et je vous dire, je suis un leader parti politique. Moi, je vous dis, vous connaissez, moi, mon arrêt politique volontairement. Quand on retourné en 2011, si je dis, moi, revenir dans la politique, on refuse. On refuse par principe. D'abord, on finit faire ça par coup-là. Ce n'est pas nécessaire moi-même bien revenir dans la politique, mais je refusais aussi parce que je trouvais comment il était. Et il n'est pas du tout dans mon fit façon qui me croit, et travail qui me fait, qui me laisse. Je ne suis pas rentrer là-dedans. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un leader parti politique qui peut causer changement, etc.
mon capable dire où une recasse confiance la population dans eux. Et c'est pour ça qu'il y a un citoyen bien capable rester des gardes veille ban là bien et là travail là bien faire pas arrêter. Tout ça travail nous faire là au niveau national ban la masse etc. Bien doubler lit au niveau village région par région laisse la population bien sens malheureusement aussi la population bien souvent et pas suivre. La population laisse lui embêter. Pas mal de monde qui servent pouvoir leurs envies d'embêter. On ne comprend pas comment il est compliqué maintenant, Dave, quand on rentre là-dedans. Hein, quand on rentre là-dedans, on a idéal, hein? Mais quand on vient dans la réalité là, tu es au connu. Alors, donc, moi, je vais dire ça pour vous comprendre. Mais continuez, ça l'engagement qui va même signer, tout ça va être leader qui même si vous êtes ensemble, vous pas ensemble, exigez que vous respectez ça. On partage avec vous, on va pas se ramène. Donc, dimanche, non, le réunion, première réunion qui gagne, c'est vendredi. OK? Donc, vendredi, nous trouvons qui, OK, il paraît compliqué pour bandit de là, tombe d'accord sur quelque chose. Donc, la proposition, c'était de nous autres week-ends pour notre travail, pour qu'ils nous soient lundi. Right? Et lundi, pour qu'ils tombent d'accord, l'eau, un minimum. Donc, nous trouvons qu'il y a une difficulté par rapport à une cause constitution. Bon, 100% citoyen, il propose 12 points constitution. Oui. Quand il y a un bouton, ça a un piqué, une zone, aïe, ça, comment t'es pas toussé, ça, papa? L'Union citoyenne, il propose 36 points sur les droits humains, qui pour la plupart existent déjà. Donc, mais frileux. OK, bon, avec l'épisode qui n'arrivait en zut, donc, nous pousse le bouchon deux fois plus. Donc, pour qu'il s'y soit rien cette fois-ci. Ben, c'est exactement ce qu'il me dit, comment il y a le grand divorce. Ah, un time commence à pleurer. Ouais, te trouver, tu dis à toi, ça n'a pas fait à eux de confiance, etc. Écoutez maintenant, au moins, on me donne le bénéfice du doute. Ok, pour une fois, ça fait tant qu'on amène, on allait, nous dit à eux, ok, nous essayons de travailler ensemble, mais je ne fais rien. Ben, nous l'a blâmé, mais pas veut dire qu'il va arrêter. Pas veut dire qu'il va arrêter. L'important là-dedans, c'est. Tu faisais qu'un minimum d'accord. Oui. Tu faisais qu'un minimum d'accord. Sinon, c'est Pravin Jagnat qui dit vous sauve gagnant. Exactement. Et par la match-là, les parties points de succès, si nous partions join in, ça, de tous les trois d'accord, là. Je te dis à nous. Nous aussi, je te dis à eux parce qu'ils nous partent en vie qui Pravin Jagnat. Enfin, pour Vindia, les Pouvindia, même après. Mais nous partions en vie de nier une occasion pour Vindia, ben voilà. On ne pas solidaire, etc. Mais on l'a fait. Non. Mais non. Moi, c'est à sa bonne leader là, de se ressaisir. Mais pas dire qu'il n'est pas capable nous carrément ride the off. Pas, non. Si je trouvais the business sans eux, je suis capable sans eux, tant mieux. Ça va, c'est pour bon pour eux-mêmes, c'est pour bon pour le pays, c'est pour bon pour le parti, c'est pour bon pour la démocratie. Mais si je vois comment je peux aller comme ça, mais la population, il me finit plein avec le gouvernement. Il finit plein avec l'opposition aussi, hein? Make no mistake. N'écoute pas. C'est ça les drames. Parce que moi, quand on me causait, t'es là, je me félicite, je te récite à maintenant, recevoir, je suis un groupe citoyen, right? Je n'ai pas une partie politique organisée pour maintenant les autres, mais maintenant, ils sont obligés de recevoir les autres et tout mène à court. C'est vrai, là, moi, après, j'ai une sagesse aussi, qui a négocié ou pas qu'on va gagner 100%. Ou pas quand dire prends ça ou ça, rien n'est pas possible. Ça quand même fait une mode de manœuvre, ou même ou gagne basics, ou gagne un fondamental, là, ou elle dit là. Alors, je ne fais rien de bonne foi, je dis, ou bien pour regretter, personne n'a pas envie de blâmer, je dis, qu'ils ont une pièce, non. Je ne fais rien de bonne foi, tu as une mouvance, du monde, tu crois là-dedans. Right? Et ben là, ben fait, il y a les autres détriments. C'est les autres qui peuvent payer les pour casser l'eau là. Alors, les autres maintenant, garde ça, mouvement là. Garde ça, une revendication là qu'ils ont mis là, un changement constitutionnel là, ils ont besoin de projeter ça régulièrement dans une émission qu'ils ont faire à travers les pays, marquer ça bien et dire pour la population, quand un député vient ghetto après qu'il y a une élection, exiger qu'ils ont mis ça dans notre manifeste électoral. Et ça, besoin bien clair. Et ben qui vous mettez les premiers, ils ont pour gagner soutien. Vous comprenez où je vais là maintenant? Parce que c'est ça qui vous sent joue fondamentalement. Pas donner un petit casse la veille élection, pas donner un billet de 2 000 derrière voter, à voter, tiens, photo amener, ça va vous sentir nanier.
Vous comprenez? Après ça, vous avez payé parce que maintenant, une dépense, vous avez retrouvé les autres l'argent. Vous pensez que les autres ont un rôle important, ils ont fait un grand travail dans ce sens-là. Ça va être la mort citoyenne là, vraiment unique, extraordinaire. Je ne trouve pas ça même l'ambiance là quand nous gagnons l'élection 82-60. Parce qu'à moitié dans la, dès la mort que je assisté, je vais dire que la population peut vibrer. La population est venue avec la foi, avec ce tout, venue pour ce sentiment-là. Mais les malheureux, les tristes, qui, une semaine après, tout une vie en bas là-haut, pas ben nigo. Faut besoin de dire pas ben nigo. Moi, vous faites commenter aux personnes, moi, quand tout ce monde dit là, moi, relation, comment dire, relation professionnelle ou en tant qu'ancien collègue avec d'autres, chacun est dans son rôle, mais moi, besoin de dire aux autres qu'ils ont d'autres qui bizarres. Moi, tu peux trouver ça dans la pévinie. Et moi, tu peux toujours penser, moi, est-ce qu'ils sont pas capables, tu parles difficile au départ, hein? Est-ce qu'ils sont capables de go beyond the ego? Est-ce qu'ils sont capables de pas renoncer personnel aux autres? Et si je peux faire ça, je vais faire moi-même. Je vais faire moi-même quand je vais retourner, je ne vais pas rentrer dans la politique. Si je suis dans la politique, je suis ministre aujourd'hui. Je vais opter pour ne pas rentrer là-dedans parce que mon ennemi, je pense qu'il y a une mission encore plus importante. Si tout le monde politique qui pense dans ce sens-là, pas pense juste pour mon parti, pas pense pour moi. Prenez le pape Francis, quand COVID peut être sur plein, premier lockdown, etc., vous voyez qu'il me dit. Les gens laissent nous prier pour qu'ils nous soient dirigeants politiques. Les gens ça comme ça, hein? Moi, je suis sûr, je dis, mais ça, le mot pose. Qu'ils soient dirigeants politiques. Nous prier qu'ils aient servi toute la nation, pas qu'ils aient bonnes partisans. Vous réalisez-vous? Si les papes disent ça, pour le monde entier, ben, vous pouvez comprendre qu'ils peuvent le dire, hein? Bien sûr. Alors, ça, c'est une affaire fondamentale qu'ils doivent respecter. Et moi, je ne sais pas combien de temps pour aller encore là-dedans. Non, mais ben nous arrivons à la fin, là. Permettez-moi de dire une affaire pour conclure, qui m'a pensé bien sacré. Hein. Je vous dis, je suis toujours revenu là, parce que pour moi, mon mission dans la publique politique, et ben, les autres missions qui me font, il y a une petite chose qui est consistante. C'est la foi en Dieu. Right? Je vais causer un Dieu universel. Je vais causer un type une religion là. Et mon besoin dit où, mon faire référence, le beaucoup de principes qu'il a adopté, et nous pays aujourd'hui, tout ce qui nous peut subir, c'est parce que nous, les dirigeants, pas peut respecter les fondamentales. Vous comprenez? Et il dit où comme ça, et vous souhaitez Martin Luther King qui dit où, une grande personnalité, il dit laws are man-made, but justice is divine. And for a law to be truly considered just, it cannot conflict with moral law. Martin Luther King, il continue pour dire une autre affaire qui est bien, bien faux. Il faudrait tout le monde dirigeant politique, tendez, écoutez et mettez dans la tête bien. Martin Luther King dit, we need leaders not in love with money, but in love with justice. Not in love with publicity, but in love with humanity. Vous réalisez ce qui veut dire ça? C'est ça, la tête pensante là qui vous a guidé nous, un jeune politicien ou un politicien qui est au pouvoir. Et lui continuer, Moses, permettez-moi d'y aller des affaires encore. Et un livre qui me guide depuis l'enfance, c'est Tiruk Kural. Right? Et Tiruk Kural, c'est un livre qui n'est créé pour un saint poète 2030 bananes de cela. C'est un livre universel reconnu dans le monde. Et vous connaissez qui dit au pour un dirigeant, un chapitre 56, le tyrannie, le justice, il dit où? He's worse than assassins, the ruler. Who harries ou harasses his citizens and indulges in unjust acts. On trouve qu'il va, qu'il la force, il veut dire, le rôle. Si tout bon dirigeant, si prend ça en considération, je vous dis que vous dirigez ce pays-là bien. Mahatma Gandhi, qui nous connaît, qui a été sur l'impôt, sur ce qui est là, il dit où comme ça, un autre point, un autre verset, Tirukural, il dit où, investigating intensely, leading fairly without unduly favoring anyone, analyzing and acting constitute justice. Qu'est-ce qu'on a dit ça, il dit ça pour Gandhi, there's a higher code than the courts of justice, and that is the court of conscience. It supersedes all other courts. Vous trouvez qu'on a dit le conscience, là? Moi, mon directeur général de l'UNESCO, quand il peut quitter, quand il termine son mandat, il y a allé, il dit à nous tout, Federico Maio, un grand bouc.
Vous avez dit que vous êtes un fonctionnaire de l'UNESCO, vous avez dit que vous êtes un fonctionnaire, mais vous avez une affaire. Quand vous pouvez faire du travail, si vous avez toujours un dilemme, right? Let your conscience guide you what to do. Don't go outside your conscience. Vous réalisez que vous avez une parole, ça? Et Mahatma Gandhi, nous ne pouvons pas passer de Mahatma Gandhi, Lijaou, his concept of justice embodies the philosophy that a true lawyer must always place truth and service in the first place and the emoluments of the profession in the next one. Et ça, c'est une affaire qui nous dit et qui nous pense extrêmement important. Et Albert Einstein, Lijaou, if I were to remain silent, I'll be guilty of complicity. Il ne faut pas nous rester tranquille. Ce qu'ils peuvent faire, c'est bien, mais bien continuer. Ou pas capable d'accepter qu'il y a un juge. Same que tout moi, un camarade journaliste, une seule mois, il peut envie d'interviewer moi demain. Et il dit, moi, comme ça, moi, tant, moi tout le temps, un peu souvent, peut causer là. peut drôle, mais moi, peut causer parce qu'ils m'ont interpellé. Moi, peut causer parce que mon conscience dicte moi. Qui ne m'ont pas qu'à rester tranquille quand mon pays peut couler. Et c'est pour ça qu'ils me prennent une position et me demandent de tout. Continuer ce qu'ils peuvent faire. Et ça, il est absolument important. Et voilà, moi, comme on dit, c'est l'essentiel, mais je pense à une autre affaire qui est importante, qui nous touche. Tout le monde qui peut aspirer pour servir le pays, tout le monde patriote, je vous dis une dernière citation, Elie Wiesel qui dit, « I swore never to be silent whenever and wherever human beings endure suffering and humiliation. We must always take sides. Neutrality helps the oppressor. Never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented. Nous pas capable rester tranquille. Thank you to moi causé. Nous pas capable rester tranquille. Laisse-moi donner un dernier. Vous pouvez arrêter là même la dernière. Mon collègue me pose les temps. Laisse-moi citer le prophète Mohammed. Prophète Mohammed, peace be upon him, lui dire: Whoever of you sees an evil, let him change it with his hand. And if he is not able to do so, then change it with his tongue, causer. And if he is not able to do so, then with his heart, pray. Vous connaissez, bon Dieu, si on a la foi, ça vous a dit où, hein? Pas minimise la foi, bon Dieu. Tout ça va un excès qu'ils peuvent faire là pour payer ça, vous a dit où ça. Tout excès qu'ils vont faire, the law of karma pour apply. Des âmes peuvent trouver, et ça vous a pas garanti où. Maurice, c'est un pays qui a tout religion et nous tout croyants. La population. On veut qu'on ait un croyant sincère, hein, pas un croyant qui servit religion. Travaille pour son propre bien. Ça paye tellement les croyants, ça bon Dieu pour bizarre, il nous sauve. Vous comprenez? Voilà ce qui est mon interprétation. C'est pour ça que tout le monde a la foi inébranlable dans tout ce qu'il m'a offert. Même pour travailler Global Rainbow Foundation, tous les jours, on fait mal à la prière et chemin ouvert pour qu'il y ait des gens qui bizarre. Alors, moi, je résume là pour dire si nous servons tous nos livres sacrés, toutes nos grandes personnalités qui nous donnent comme guide, ce pays-là nous a référé. Et toutes nos jeunes qui aspirent pour le rendre la politique, toutes nos qui peuvent avoir sens ce qui est là, il faut des autres animés pour cette conviction-là et pour cette nouvelle philosophie et là nous pouvons réussir. Merci, Dave. Merci, Rajna. Je pense que je connais mon cause un petit peu plus. Mais mon c'est ouvert à moi et cause avec mon cœur, cause avec mon la foi. Merci. Merci moi, beaucoup. Vous bon pas sur Amène. Donc les temps pas un problème nous tout en confinement. Donc Zoom est gratis et un tas de monde a beaucoup les temps libres. Rachna, d'une ta 30 secondes et on va boucler. Pas besoin de 30 secondes. Tout ce qui est une quote là, c'est un les résumés dans un mon favorite quotes de Thomas Paine. The duty oui. of a patriot is to protect his country from its government. Very good. Absolument. Voilà. Voilà. In case you want to use it. Bon, à vous comme poste. Exactement. Chacun de la mettre en pratique. Vous connaissez, vous ne pouvez pas nous croire que si nous tous seuls, nous ne pouvons pas sens le monde. Non. Nous tous seuls, chacun s'y fait aller, les multiplier et aller, vous comprenez, nous pouvons bien réussir. Laisse-moi donner une citation, Mère Teresa. Vous n'êtes pas capable sans faire ça. Dis-moi mon guide, mon inspiration. Hein? Mère Teresa dit où? Si vous êtes un avec, peut traverser, mène un trafic, qui vous faire?
ou trap sur la main ou edli. Soit un bon du monde, trap sur la main ou edli. Oui ou non? Laissez dans la sécurité après y aller. L'idée pour vous, c'est quoi ça? Un petit travail, une faire. L'idée for you, it could look like a drop in the ocean. L'idée without these drops, the ocean will be missing all those drops. And ocean, c'est quoi? Somme total ban drops. Alors moi, je crois dans l'individu. Sac d'immune, if he is the change you want to see, you know, si sac d'immune prend sa détermination, comme Abraham a fait citer, si sac d'immune met ça dans la tête, nous vous transforme ce pays-là. Et nous inculquer ça dans nos bonnes jeunes. Et faites-le prendre les values, pas prendre les nez que vous autres gagnez, vous autres bout, etc. Nous vous casser sa mentalité, gagnez bout, road bout, nous vous êtes capables d'instaurer patriotisme, la foi, sincérité et service à la nation. Voilà, Dave. Merci beaucoup, mon camarade. Merci beaucoup, en beaucoup, pour ce roman. Donc, comment dire? Oui, moi, donc, c'est effectivement, si chacun amène ce bloc, un tableau qui fait la case solide. Donc, nous causons beaucoup de justice et d'injustice hein, dans ces dernières minutes. Hein. Mon partage avec vous, donc, demain, nous causons nos constitutions, encore une fois, mais nous causons le judiciaire, réforme judiciaire. Et mon invité demain, c'est Ramon Van Heyden, qui amène ce bloc aussi. Donc, dans ce fameux sujet du judiciaire, qu'est-ce qui tout correct, qu'est-ce qui pas correct, qui bizarre fait, si tout faut être tassé, comment bizarre. Donc, voilà, nous pouvons mettre ça dans le blanc ensemble. Combien vous suivez ça demain? Demain, 8h du soir. Demain, 8h du soir, toujours. Pour vous suivre ça, moi, bien dire, mon fait faire une pause, quand mon salut Rossi Badin, Ramon Van Heyden. La population bizarre qu'on apprécie ban di moun qui défend ban cause ban principe. Right? Mon papa rentre dans ban mérite demerits mais nous yeah. Give le due. Et mon message on trouve peut-être dans une post qui m'ont metté contre mon Ran Omaz, Ramon Van Heyden et Rossi Badin. Et Rama on a beaucoup respect pour lui. Ce qu'il peut faire il est extraordinaire. Vous connaissez ban il peut faire lui mon connaît bien du fait avec la foi. Encore une fois moi dire c'est même qui fait la différence. C'est un di moun faire quelque chose avec la foi et dans l'équerre pour les peuples qui vous faire les bien. Alors, mon don, moi, attend, écoute Rama demain. Merci, mon camarade. Merci, Yamogo. Merci, Rachna. Allez. Allez, au revoir. Merci. Allez, merci. Bye-bye. Bye-bye. J'espérais qu'il m'opère ici. Couplé. Mon cave, quand il dit toujours, moi, mon livre va apparaître là.